Bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info et un peu bizarre, puisque les gars, le nouveau skin de Fortnite a été donc trouvé, regardé dans l'actualité du jour. Et il s'agit des petits soldats verts ou gris, et on peut les retrouver donc en boutique pour 800 V-Bucks chacun, ce qui n'est absolument pas cher. Et d'ailleurs, petit code créateur, Telmo-Lopez. Pourquoi je vous parle de ça, les gars? Puisque ce nouveau skin peut devenir vraiment très avantageux dans certaines situations. Alors, Fortnite, c'est écrit en bas, regardez la remarque, ces objets sont cosmétiques et ne confèrent aucun avantage compétitif. Eh bien, moi, je trouve que parfois, c'est un peu mytho de la part d'Epic Games, puisque ceux qui déboursent des V-Bucks et qui ont de l'argent, eh bien, ils peuvent être franchement avantagés. Et c'est ce qui va se passer avec ce skin-là, les gars, puisque le skin Petit Soldat de Fortnite permet de se cacher très facilement. Et du coup procure un gros avantage, même si régulièrement Fortnite sort des défis comme ça et on dit que non, et bien les gens s'amusent avec. Et je pense que ça procure quand même des avantages, malgré que ce soit pas un avantage de skill, mais c'est un avantage de camouflage. En effet, comme vous allez pouvoir le voir sur la photo que je vais vous mettre tout de suite, eh bien c'est des images qui ont été postées sur Reddit par l'utilisateur JordiM3, et les couleurs vertes du skin est quasiment identique aux couleurs de l'herbe et des plantes qui se trouvent sur la carte de Fortnite. Alors regardez l'image tout de suite. Donc voilà, est-ce que vous trouvez que c'est quand même juste de la part d'Epic Games ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est juste, si on a 800 V-Bucks, de justement être avantagé quand on se trouve sur les terrains un peu justement herbacés, si je puis dire? En tout cas, ils disent les skins ne donnent pas d'avantage. Bah répondez-moi en commentaire, est-ce que oui, ça donne un avantage, ou est-ce que non, ça donne pas d'avantage? En tout cas, très vite, les joueurs ont rappelé que les skins ne devaient pas avantagé, et que ce soit juste visuellement ou en termes de camouflage les joueurs, et ça commence à faire polémique parce que ça commence à faire un peu du pay to win, donc payer pour gagner, même si oui ils disent que c'est juste cosmétique, ce qui est vrai. Et eh bien le cosmétique sur une carte où les couleurs sont quasi identiques, ça procure quelque chose de assez discret et donc un camouflage quasi parfait pour le combat, les gars. Voilà ce que je venais donc de trouver sur le net et que je voulais vous montrer. J'espère que quelques-uns d'entre vous ont acheté le skin pour qu'on puisse faire des games et qu'on puisse voir et vérifier ça directement en partie perso. Je compte faire un petit live bientôt pour faire des petites parties perso avec vous sur des nouveaux modes. En tout cas, voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la carte avec ces nouveaux skins, cachés dans un buisson peut-être, qui sait. En tout cas, n'oubliez pas le code créateur Telmo-Lopez, comme je vous dis à chaque fois, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'aller sur Insta et Discord, c'est en description de la vidéo, les gars. Et bien sûr, de mettre un max de likes, surtout n'oubliez pas de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo.